Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 23 août 2021, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le 47e festival du cinéma américain de Deauville, deuxième course de la Réunion 1 où 17 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Lors de cette compétition concourue sous la formule handicap mais portant tout de même le label Listed Race, il ne faudra assurément pas hésiter à élargir ses jeux. Même si quelques bases s'offrent à nous, au terme du parcours de steeplechase long de 4500 mètres, tous semblent pouvoir s'imposer. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 3, Jeskill. Pour ses débuts dans le handicap, ce pensionnaire de François Nicole semble pris à une valeur lui offrant la possibilité de s'imposer. À Angelo Zuliani, cravache d'or en titre, de faire la différence. En deuxième choix, le numéro 2, donne le change. Christophe Dubourg est un metteur au point adroit qui sait préparer un engagement avec le plus grand soin. Invaincu en une tentative en 2021, ce fils de Sadler Maker peut compter sur la précieuse aide de son jeune jockey, Baptiste Dubourg. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Footballisto. Impressionnant en haie lors de ses deux dernières tentatives victorieuses, il effectue un retour en steeple très attendu aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 5, McGrawty. Piloté par un James Rivlet qui caracole en tête au classement de la cravache d'or, ce pensionnaire de la famille Leach débarque sur le steeple en France avec les ambitions de confirmer ses dernières tentatives en haie. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Fan d'Apples. Présenté par Philippe et Camille Pelletier et monté par l'insatiable Clément Lefebvre, avec ses œillères pleines, s'il est décidé, il peut réaliser un véritable numéro ici. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Polinu. Lucas Zuliani sera en selle sur ce pensionnaire de François Nicole qui a quelques titres en steeple et qui peut largement espérer jouer la victoire finale. En avant-dernier choix, le numéro 17, Dilbet. En feu dans de plus petites catégories depuis le début de l'année, il revient dans les très grands handicaps quintés avec l'espoir d'attraper une place dans les 5 premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Diva des Obos. Fille de Spanish Moon et d'Endera, elle sera montée par un Olivier Join qui compte bien se sortir du poids élevé de 72 kg pour faire l'arrivée. En cas de non-partant, le numéro 15, Fury Dene, avec l'aide d'Étienne Capdet, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono réussit encore le petit exploit d'indiquer le tiercé dans l'ordre, celui-ci affichant un montant de 470€ tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois.